Attention, la séquence avec Jarret Allen est réalisée par un cascadeur professionnel. Bonne vidéo. Bon l'équipe, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, on se retrouve pour un nouveau petit vlog de qualité. Enfin, ça devrait, parce que les gars, aujourd'hui, le sac est prêt, enfin les sacs sont prêts. On en a un ici, la caméra, tout ça, parce que je vous emmène avec moi du côté de Paris. Parce que grâce à vous, les amis, qui me suivez nombreux, et toujours de plus en plus nombreux et nombreuses, merci beaucoup les gars, je vais vivre le NBA Paris Game en VIP, au plus près possible. Vraiment, je vais vivre une expérience qui risque d'être pas mal. NBA 2K ainsi que la NBA nous a concocté un petit programme. Voilà, et vous allez voir tout ce qu'on va faire pendant une semaine. Voilà, le match il est jeudi, on est lundi. Et là, je vais à Paris pour vivre tout ça, ça va être grave lourd. Donc j'espère que vous allez kiffer, pensez à liker, abonnez-vous, ça aide, ça coûte rien. Merci à tous ceux qui le font d'avance, je vous aime les gars. Et surtout, je vais arrêter de regarder le micro. Les petits frérots, on est arrivé à Paris, à l'hôtel. On va pouvoir se faire un petit test d'hôtel en mode AmixM, les meilleurs et les pires hôtels. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire ça en fait. On est clairement dans un beau petit hôtel. Bon, l'endroit le plus important, les toilettes, surtout avant un match de basket. Le vernis que ma fille m'a mis hier, qu'il faut que j'enlève. Et regardez-moi la petite chambre un petit peu. Ah, petite frérot. C'est stylé en vrai. Merci, tout ok. À chaque fois de toute façon, hein. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Je pense qu'on n'a pas à se plaindre tout court. Et je pense que j'ai pas du tout à me plaindre non plus de pouvoir vivre ce genre de choses-là, grâce à vous. Vous allez voir, on va faire plein de trucs. Vous allez kiffer, j'arrête pas de vous le dire. Bon, allez, transition bouffe. Petit Bannerlord. Et à demain. Normalement, il y avait des boissons. Bon, après, j'ai rien pris, j'avais pas soif. Parce que j'ai déjeuné avant de sortir, quoi. Si j'avais su, j'aurais pas mangé. Moi, j'en rentabilisais l'eau, t'es fou. Tu te rappelles, là, on faisait nos premières vidéos à la GoPro. Hein. Moi, c'était au téléphone. Jusqu'à mes 70K, j'étais au téléphone. Sur YouTube? Ouais. Mais après, avant, tu connais, c'était le temps. C'était le temps. Voilà, on reste comme ça. Hein. Le watch time, tu connais. Mais t'es pas, je vais rester comme ça longtemps. Vas-y. On va faire un TikTok comme ça d'une minute. Here we go. Yep. So I own a wine company, and one of our winemakers is super French. So I'm starting to get used to his accent. And I'm like, what? Speak French? No, I don't speak okay. French, but I understand a French American accent. Okay, okay. Yeah, yeah. I'm gonna go with Oklahoma. Oklahoma. City. Okay. Yeah. I see you have lose versus Briscoe. Yeah. Oh yeah. 11-0. So I got. Yeah, I'm trash, but. If I score on you, that means I win. I just need one basket. I just need one basket. He's I play okay, but no 5v5. No, okay. Well, that's fine, because I'm not passing the ball anyway, so Shea is shooting the ball every time. Okay. Dude, Oklahoma City's been great this year. Crazy. It's crazy that they're like these young guys, and all of a sudden they're not young anymore. You know, they're like 26. And the shooter is great. The draft pick is crazy. Crazy. Yeah, I think they have 36 over the next few years. You play it okay? I play against my son. Okay. And he's not very good, but he beats me anyways. Oh. Okay. Don't steal it from Kyrie. No. Oh, Luca. Ah! Okay. I don't play 5v5, oh, but okay. I play 2K. Yeah, every yeah, day. No. Yeah, yeah. Oh, M1! Oh. You prefer Chet or Remy? You know what? I think. Just to see, not the person. Yes! Here we go! I like Chet because he's older. Okay. But Wemby is an absolute no way monster. Right? And think about Wemby in 2 years in the NBA. Mm-hmm. Hey. Oh! I think Chet
that 1 year, even practicing with the team, being with the team, really helped him. I wouldn't be surprised if they split that Rookie of the Year up between those two. Chet is on such a bitter, see what I mean? Je suis tellement pas concentré en plus sur le match. You know, Chet is making big time plays for a winning team, a team that wants to win. But yeah, no, the young talent of guys, oh, that's it. I've seen that too much. Yeah, listen. Playing against Kyrie in practice is worse than when it's in the game. Okay. Because he, I'm going to make a three eventually. He is just impossible to guard. See, now I travel with my Xbox. Mm-hmm. Just so, like, when I'm on the road and I'm, you know, doing games and, oh, why are you playing defense right there? When my son gets done with school, he's done doing his workouts and whatnot, we play, you know, whatever game he wants to play, whether it's like, you know, Fortnite, Minecraft. Yep. All those things, and that's easy for me to kind of talk to him. And then my daughters play, what is that, Roblox? Oh, Roblox. Yeah, so they're 5 and 7. So they show me their city of kittens and bunnies. Oh, wow. When I had an opportunity to watch him when he was a rookie, and it's layup game. Oh. Layup game. You like Shai? Oh, no Shai. He's not the fastest, he's not the tallest, he doesn't jump the highest, but he gets anywhere he wants to due to his skill. And then he's a great leader. He's so smooth. He's so smooth. Mm-hmm. And like, you can't teach that. And that's why I appreciate those kind of players. That's beautiful. They're like, yeah, just beautiful basketball. And then everyone does well with him also. Like, he's not like truffle, right? Some players are like truffle. If you put it on the potatoes, everything's gonna taste like truffle. He is just, ooh. No way. Yes, way. Yeah, here we go. That's all I need. I just need a team who can make layups. I cannot make. Stop fouling. Yeah, he's, I don't know if he's winning MVP. He's a favorite for MVP. No. Tatum? Jokic? No, yeah, it's between Jokic and Embiid. Oh, yes, Embiid. We get bored with Embiid, but if you, as much as I watch, he's just, he's getting these stats in three quarters, which I think a lot of people, gosh, don't take that into consideration. Jokic is a monster. And I think Jokic is one of the most unguardable, if not the most unguardable guy in the league. Moi, j'avoue, ça passe vite, hein. Oh, yes! On a un match en plus, hein. On a un vrai match, hein. Yeah, il n'y a aucun de nous deux qui est concentré, en fait. Nope. Oh! Oh! Yeah! No! you cannot play. Poster, what yeah, you better stop. Put the computer on you. Oh, you know. Okay, I see. Okay. Look at cookies. Oh, stop fouling. No. That's a bad matchup. We want to foul. Oh, you're in a bonus. Dang it. Well, don't know time. Perfect. A little win. Nice game. Thank you, man. Nice to meet you. For your time. I know. Appreciate you. Thank you for letting me score all these points on you. Nice. Very cool. Thank you, merci. Thanks, man. Thank you, Raymond. Bah les gars, le match, c'était incroyable contre Channing Frye. Son truc a pas marché, il a la. La caméra, elle a pas marché, les gars. Il y a un moment que je peux t'envoyer, on te voit. Je prends le son. Ça sera pas la meilleure vanne du vlog. Non. Vous avez dit quoi un peu, vous? En fait, tu peux le dire ici, vu qu'on va pas le voir. On va le voir, ouais. J'ai le micro, frère. Je vais terminer, lui. Allez surtout pas voir sa vidéo, lui. Non, allez voir sa vidéo et tout, de ouf, ça va être trop bien. Franchement, banger. La vidéo de Gaze, banger. Ouais, je l'ai vu en avant. Un écran noir avec du son, ça va être le feu. D'ailleurs, vidéo, mais sur Spotify, ça sert à rien. Ah, tu lances des podcasts et tout, maintenant? Ouais, on se renouvelle, tu connais. Ah, c'est pour ça que t'as pas sorti une vidéo depuis longtemps. Ouais, c'est ça. T'as eu chercher le nouveau format et là, vas-y. Bah ouais, c'était grave bien, match super serré, moi. Bah en vrai, on était pas concentrés, mais du tout. Par contre, genre, je le regarde lui, et en même moment, il fait « Oh !» Je regarde, je fais « Ah, ok, il a mis un panier. » Bah en vrai, grave bon délire et tout. Les anecdotes qu'il racontait tout, c'est une dinguerie. Les anecdotes sur Kyrie. Alors, je sais pas si le monteur Flavien, il va devoir faire un petit peu de traduction. Ouais, les anecdotes sur Kyrie et tout, c'est trop bien. Je lui ai dit « Ouais, tu préfères Wemby, ouais, et tu préfères Chet, ce qui joue avec Chet et tout. Ouais. Chet, je préfère un peu, mais Wemby c'est plus impressionnant parce que Chet, ça fait déjà 2 ans il est là, il fait son année rookie. En fait, ils disent que nous on pense, et quand on le dit, nous bon français sur Twitter, on se fait arracher. Mais j'ai kiffé son anecdote sur Kyrie, vraiment, c'est trop bien.
Non mais vas-y, je vais vous mettre du gameplay avec, bah voilà, vous avez dû voir du gameplay avec du son par-dessus, mais c'est lourd en vrai, tu vois. En vrai, pourquoi toujours l'image finalement? Le son c'est tout aussi important. Hein. À l'ancienne on commençait, sur YouTube il n'y avait pas la cam. Il hein. Y avait pas, tu vois. J'étais trop concentré à le laver les gars, je l'ai arraché, vraiment. 7 ans sur YouTube ça fait des erreurs de plouc encore. Merci mon love Blackie, allez pas voir sa vidéo ce bâtard. Et du coup, on change l'hôtel. C'est mon hôtel ça. Mais tu sais que c'est l'hôtel du père de la meuf. Ah ouais, non, vraiment. Bah, ok, ça devient trop personnel. C'est ma hôtel. C'est chez Totoche et Étienne ça. On fait un photoshoot pour Totoche, il me rémunère. Il te rémunère combien? 50 la photo. 400 euros par semaine. Par photo. Par photo, wesh. T'as déjà perdu 1800 euros, gros. Et oh, il en prend beaucoup quand même, non? Il en a pris vraiment beaucoup. Voilà. Il a besoin de sous en ce moment. J'ai besoin de bosser pour l'année. Hein. Merci, mon gars. Les joueurs NBA, gros, ils sont là, là. Et du coup, ils descendent, il y a déjà tous les trucs de luxe. C'est pas bête. Sur un coup de tête, salope, un petit sac à main. Voilà, les caves sont ici. Oui, on est au l'hôtel des caves. Les caves sont ici, mais les nets sont au mur. On attend l'homme le plus touffu de la NBA. Ah ouais. Non, c'est pas toi, c'est pas moi non plus. C'est pas Blacky non plus. C'est pas moi. Regarde comment je suis rasé sa mère. Tu me fais une démo perso? Petite démo perso juste pour toi. Oh là 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 là. J'ai l'impression que je l'ai vu toute ma vie, depuis ma plus jeune enfance. Là en fait, les gars, c'est pas perso. Hein. Ah si, c'est juste pour vous, c'est juste pour vous. Il s'échauffe pas là, c'est juste pour vous. C'est des trucs que j'ai jamais fait, genre avant. Ça, c'est coupé ça. Chiant. Les gars, c'est une vraie baleine vie. Là, j'avoue, pour le coup, elle est stylée. Une vraie, de vraie baleine. En vrai, à deux doigts de la garder. Tout ça pour que je m'en départe. Allez hop. On est d'accord, c'est Mitchell qui se massait. Pour moi, c'est Mitchell. Est-ce qu'on soit Adidas? Ouais, c'est Mitchell. D'accord. Donc, voilà, on a vu les pieds de Donovan Mitchell. Mais qui voilà? Tu sais que la dernière fois que t'es passé sur ma chaîne YouTube, t'es pas une star comme ça. Hein. C'est vrai? Ah, genre, ouais. Là, ça a changé là. Maintenant, t'es une star. Hein. Mais le mec, il a même un stagiaire et tout. Apprenti ou stagiaire? Un stagiaire, il a dit ce stagiaire. C'est un vrai gars qui bosse avec moi maintenant. Ça va, quoi? Bien, tranquille. Ça fait plaisir, toi. Plaisir aussi. Non, moi je suis pas chaud. Son ref, c'est rien. Même talent. Ouais, oui. D'accord. Oui. De toute façon, t'aurais dû aller en NBA. Oui. Vraie question. Ah, imagine, t'es drafté en NBA. Mais en même temps, tu cartonnes sur TikTok et tout comme t'as fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues TikTok ou t'arrêtes? Bon, je pense que j'essaie la NBA pendant 2 ans. Ah, et si ça marche pas, t'as quand même. Je m'attends de faire TikTok. Hello, what's up, man? How you doing? Nice to meet you. Nice to meet you, man. Congratulations. Yeah, thank you. Thank you. And I love you. Je galère, et en plus, y'a trop de monde qui regarde là, arrêtez! Do you stream it? Yeah. On Twitch? Stream, yeah. Twitch. No, I watch on Twitch. I watch some streamers. What is your favorite streamer? There's a Swedish streamer called Tio. Mm-hmm. I watch him a lot. He's a variety gamer. Okay, nice. Yeah. Okay, thank you. No problem, man. C'était catastrophique. Mais c'était horrible. Mais mon anglais, gros, j'étais perdu. Mais j'étais horrible. Même signé pour demander la dédicace, j'étais perdu, gros. Il me dit, depuis combien de temps tu stream? Moi, j'étais... Il est arrivé. Quelle dédicace, moi? Non. Moi, j'ai entendu, il a dit un truc genre, I love you. Non, je cherchais mes mots. Je voulais dire, j'adore ce que tu fais, frère. Et en fait, justement, après, je me suis arrêté de parler parce que oh, j'étais trop gêné. Je te jure, j'étais trop gêné. C'est là, oh là là, la honte. Quand tu me stresses et tout, mon anglais, c'est une galère. Et là, frère, déjà, je commence mal. Je me retourne, je les vois exploser de rire. J'ai envie intérieurement. Non, en vrai, il était cool sinon. Hein, il était cool. On se demande bien. On se pose à l'hôtel avec le Brisco Basket Freestyle. Yes sir. Bon là on est punis les gars, on en perme. Putain, j'aurais tellement dû ramener la play. De fou. Mais j'aurais dû ramener la play. Ça rend ouf. Les frérots, troisième jour de cette semaine NBA. Hier soir, on était dans une pizzeria à l'effigie des Brooklyn Nets. C'était vraiment cool. On a une joueuse WNBA qui est venue. Championne historique du concours à 3 points. Recordman aussi, des triples doubles à l'université et tout. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. C'était une dinguerie. Et on a mangé des bêtes de pizza sa mère. Aujourd'hui les gars, je vous emmène avec nous, avec moi, aux entraînements d'équipe. On va aller voir les joueurs s'entraîner aujourd'hui, ça va être stylé. Je sais pas c'est quelle équipe, est-ce que c'est les Nets, est-ce que c'est les Cavs, j'espère que vous allez kiffer. Si c'est pas déjà fait, pensez à liker les gars, ça coûte rien et ça aide beaucoup.
Eh hey, les gars, regardez qui j'ai retrouvé après des années et des années. Ça date YouTube, hein. Putain. Ça date YouTube. Je vais revenir un jour, t'inquiète. C'est vrai? Je sais pas. Je sais pas comment. Mais... Hey, moi j'ai cru que j'avais une exclue incroyable. Non, je reviendrai. Putain, il a lancé sa production et tout. Mais je crois que je reviendrai, je ne dirai pas ailleurs que YouTube, ailleurs que sur YouTube que je reviendrai. C'est vrai, donc tu vois, on parlera pas sur Insta et tout, mais sauf à nous. Bien sûr. Et là en fait il est en train de vous inciter à vous abonner par contre. Hein. C'est le divin chauve les gars, c'est lui qui m'a motivé. Hein. Vraiment. Hein. Et c'est pas, il m'a pas motivé qu'à... Bah oui là je suis rasé là. C'est vrai que si je me rase pas bien, il me taille sa mère. Hein. Comme les fautes d'orthographe. Voilà, hein. Orthographe et coiffure. Orthographe. Eh, les gens ils croient qu'on parle plus hein, les gars. Mais sachez que ce soit Valentin, Brice, Manu, Eddy, Blacky, tout le monde, on se parle tous les jours. Hein. Et lui les plus gros messages qu'il m'envoie c'est des screens de fautes d'orthographe que je fais sur mes posts Instagram. Bon Brice, on est où? On est à la NBA House mon ref. Et on va faire quoi? Là, on va faire du basket et surtout on va regarder le 1 contre 1 de la NBA. Nous on va surtout vous regarder parce que nous on n'a pas été invités à jouer. Voilà. La NBA House les gars. Nous on va filer au terrain là-bas, là, il y a des terrains 3-3 là. Les gars, il y a le moment le plus important, il va y avoir le 1v1. Fuck man. Totoche. Fuck dans man. Dans les backstage. Il a acheté ses LeBron 21. Fuck man. Il est prêt pour le match, le 1v1. Voilà, il est là l'adversaire. Ça va être le meilleur 1v1, on va vous donner du show. Show. C'est ça qu'on va faire, on va vous faire kiffer les refs. Show time. Je sais pas quoi dire. Ok, je l'ai. Ok, je l'ai, c'est bon. Bon les gars, ça va être l'heure du match. Nous, on a pu jouer pendant 20 bonnes minutes. J'ai pu montrer à tout le monde à quel point j'étais vraiment fort. On a fait une banque, j'ai évidemment perdu cette banque, mais pas le premier. Et ouais, parce qu'on n'a pas eu le temps de la finir la banque et donc personne n'a perdu techniquement. Voilà, c'est mon journal intime personnel. Je pense que je suis vraiment fort. De faire ça. C'est trop bien. De faire le journal là? Ouais, moi aussi je veux faire. C'est... Je vais t'interrompre par contre. T'inquiète, t'inquiète. Et là ça va être le live de Domingo. Pronostic. Rookix. Totoche. Rookix mec. Mais que 90% des gens là ils ont des Rookix hein. Parce que je suis allé faire un tour de tout le monde là. Ah vraiment. Disco et compagnie là. Ok, Elias, overtime. Hein? Rookix. Non. Ou alors Totoche. Est-ce que tu peux me faire un plan sur les mollets de Totoche rapidement, stop? Totoche, tes mollets. C'est fini là. Ouais, quand même, frère. Ouais. C'est bon. J'avoue, c'est pas mal. C'est bon? J'avoue, c'est pas mal, j'avoue. J'ai mis la baraque sur lui pour ce moment. Ok, la baraque. La baraque. Ah ouais. Si Reda il a un tej, je suis mort. Hey, je vais pas le garder. Il a pas raté un shoot là au warm-up. Après, j'ai une théorie. Hein. Quand tu mets tous tes shoots au warm-up, tu les mets pas pendant le match. C'est toujours comme ça. Ouais, ça commence à être la merde. C'est que des blagues. Gros, fais pas être tranquille avec lui. Dès que tu peux, tu donnes tout. Je vais faire que des pénétrations. Mais genre vraiment, quand je te dis je vais faire que ça, tu vois Russell quand il fait de la merde. On a le plan, les gars, en direct. Bon, je vais au panier, je saute. On a le plan de jeu de Totoche en direct. Nous, on connaît le plan de jeu de Rookix, il nous a dit, mais on va pas dire Hélène. Tu me donnes des conseils, carré, je vais perdre. Ça. Moi, hey, un conseil Totoche, fais gaffe à 3 points, c'est tout. Cardio. Là, il m'en est pas plus. Ah ouais. Allez, donc là, j'ai avec allez, Reda. Oh oui. Aïe. Reda, tous les jours. Rookix, tous les jours. Là ils vont faire un cardio. Zach, t'es mon poulain. Voilà Zach. Voilà mon poulain. Voilà mon poulain. Allez Zach, mon gars. Mon poulain, Zach. Ça fait un uno au calme. Ça va les gars? Ouais, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quand on fait enfin un cookie ou un basket ensemble. Ça fait des années. On se capte une fois tous les 3 ans, entre 3 rendez-vous avec Leclerc, avec Bottas.
Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué au basket. La dernière fois que tu m'as vu jouer au basket, j'étais en sumo. Le temps il passe vite ou maintenant? De ouf, trop vite. Ah ouais? Bah, je suis devenu daron depuis, frère. Ouais, t'as eu le temps d'avoir un gosse, on a pas fait de basket. Oui, je te jure, c'est trop ça, gros. Les frérots, la NBA, c'est pas que le terrain de basket, c'est pas que le trash talk, c'est pas que la compétition, c'est pas des dingueries où je bats pour une fois Valentin à 3 points. C'est aussi plein de trucs, on a tout plein de stands avec tous les partenaires du Paris Game, avec des milliers de personnes qui peuvent venir jouer au basket, à Touquet et tout. C'est une dinguerie. Oh, oh, hey Blacky. Ouais. Comment une photo? Oh putain, encore une photo, non, maintenant je vais payer. C'est vrai, combien? 15? C'est 5 euros la photo, mec. Ça va, t'es moins cher que moi. Et là j'ai fait au moins 20 photos. Du coup je vais mettre 4 euros moi, si vous voulez faire une photo les gars. Ah c'est comme ça la concurrence, tu tires les prix vers le bas, c'est ça que tu fais? Ouais. Tu ruines la profession, mec. C'est long. Eh hey Brice, on va faire quoi? Là mon ref, c'est ce qu'on va faire? Ouais, on va faire quoi? On va les grailles. Et on va manger où? On va manger là, regarde, juste devant toi, là. Film, fais. Ici genre? Les gars, on va manger au restaurant de la Tour Eiffel. Si ça c'est pas une dinguerie. Eh, hey, Blacky, c'est une dinguerie. C'est le meilleur vlog. Allez-y, vloguez, allez, tous sur vos caméras, mais profitez un peu du moment, bordel. Cette génération d'influenceurs, influx voleurs, là, regardez, on s'est... C'est même pour... Combien vous prenez d'argent là pour être là, vous là? C'est terrifiant. Salut Yann, tu vas bien? Ça va? Bon, on s'est vu en bas, mais. Attends, mais vous avez gagné l'expérience aussi? Mais non, on est avec la NBA, on est créateur de contenu. Peu, t'as vu? Les gars ont vraiment le meilleur job, quoi. T'as vu? Regarde ça un petit peu. On a... Voilà, c'est bon le travail. Merci beaucoup, mec. Gros choc, ils vont taper les box, moi je pense. Ah ouais? Et cette année, c'est l'année. De JT. Pour le titre d'MVP, mon prono. C'est à toi. Non. Chez. Hey. Oh, ça c'est lourd ça. Le gars est en mission. C'est vrai. En vrai s'il continue comme ça, il y a moyen. Dans vos caméras. Moi je pense que pour l'instant en match-up, cette année Shea est devant Lucas. Okay. Le Thunder, meilleure équipe que les Mavs. Je pense que ça va continuer. Ils ont une équipe solide. Plus solide que Dallas. Hein. Moi je pense. Ouais, je suis d'accord. Sur les 3 au-dessus de lui, c'est Giannis, le Joker, Embiid. Embiid va pas. Je pense que Embiid ça va être chaud, il va pas faire le doublé. Le Joker, comme il a déjà pris. Non, c'est comme les choses, c'est comme quand on dit LeBron, c'est pareil. Il y a un moment, tous les ans. Il aurait pu l'avoir. Voilà. Il y a Steve Nash qui gagne. Voilà. Ouais. Historiquement, la NBA aime pas trop donner des repeats MVP, MVP. Donc Shea va gagner. Et tu penses qu'il va réussir à l'avoir son titre de rookie de l'année, Wemby? Malgré Chet. Bien sûr. Mais la course, elle est pas si. Genre, il n'y a pas un faux. Il y en a, ils ont l'impression que Chet, ça commence. Non. Encore une fois, hein, c'est filmé. Hein. Bah là, ouais, je crois. Wemby, ce qu'il montre, il peut faire plus de choses. On est français aussi, donc forcément. Bien sûr, mais il peut faire plus de choses que Chet. Chet, il est quand même dans une équipe qui. Qui gagne, quoi. Qui gagne. C'est pas lui le meilleur score de sa team. Wemby, il fait ça en 20 minutes. Hein. Mais Wemby, ce qu'il montre des fois, là, non, c'est trop. Donc je pense qu'il est Rookie of the Year. Mais ce qui serait top, c'est qu'il soit All-Star. Non, en profite, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, messieurs. Et les gars, on est prêts, on est avec mon gars Brisco. Je suis archi prêt. On va aller voir le match, le gros match, l'affiche de choc, l'affiche éternelle que tout le monde attend. Et regardez comme il est soigné là. On essaie un peu. Hein. Il est beau gosse de fou. Pendant que moi, en vrai, moi ça va. Juste un peu serré, t'as capté. Vraiment, soit j'ai pris un peu de muscle, soit j'ai pris un peu de poids. Optez pour la proposition que vous voulez dans les commentaires. C'était très long. Petit match, ça fait plaisir, on est là pour ça. Merci encore Touquet pour l'invitation. Je crois qu'on n'est pas trop mal placé. Il me semble qu'on n'est pas trop mal placé. Je suis pas sûr, mais de ce que j'ai compris, ouais. Ah, tu as un torticolis, frérot. Ça, je le mets comme ça. Pensez à liker, abonnez-vous. Ouais. Et puis nous, on va aller kiffer le match. Évidemment, on peut pas filmer de moments de match et tout, mais on mettra des petits moments vite fait. On mettra des petits highlights finalement. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon. Eh oui. Bisous. Ah ouais, il continue. Ça c'est une dinguerie. Salut les gars, ça va, ça va.
les gars? Ça va? Je te vois plus avec Yann. Ouais, je... On est placé là, genre. Oui. Genre, il y a Mitchell qui s'échauffe là. Les gars, c'est une fin de match, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Ouais. Vous avez kiffé ou pas le match? Franchement pas ouf. T'es mal placé, ouais, moi ouais. Je connais... Ouais, c'est vrai qu'on était un peu... Je rigole, tu mets pas ça mon ref. T'as pensé quoi du match? Mec, gros match. Gros match, mec de... Et voilà, c'était vraiment lourd. Voilà, rien d'utilisable. Les gars, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Merci Touquet pour l'opportunité. On était placé trop bien. C'était incroyable, le cadrage et les catastrophiques. Mais la vidéo était de qualité, donc incroyable, j'espère que vous avez kiffé. Merci Touquet, merci la NBA pour la confiance. On se fait des bisous, à très vite. A bientôt, bisous bisous. C'est quoi ça? C'est les loulous. Merci à NBA. Yes. Et followez-le. Ah merde. I love you.